spam. Auditeur. Auditrice. À nous lire le texte de base que nous trouvons dans Ésaïe 40, verset 30. Qui ça lui dit? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, envoie-nous ton Esprit Saint, car nous en avons besoin pour proclamer ta parole. Nous sommes pécheurs, mais lave-nous dans le sang de l'agneau. Brûle nos lèvres de ta puissance, parle toi-même à ton peuple et continue, Seigneur, à nous fortifier pour le salut éternel en Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Alors, message moins badoué long matin, hein, parce que je me prends temps pour me lire là-bas, non. Maintenant, on nous aller plus haut, plus loin. Dans le verset que nous sommes lits là, dans Ésaïe 40, verset 30, nous ayons promesse qui en même temps sont constat, qui en même temps sont réalité dans la vie petite bon Dieu. Yo. Adolescents, yo fatigué, yo lassé. Jeune garçon, yo, y'a chancelé. Mais yon moun qui confie dans l'Éternel, force li renouvelé. Amen. Li prend vol, tant qu'ou qui ça? Tant qu'ou aigle. Li couri, li pas lassé, la marché, li pas fatigué. Ça veut dire qui ça? Yon moun kap servi l'Éternel, li ge force pas son jeune garçon, li ge force pas son adolescent, li tan kou, yon aigle. Zamim, fremsem, mais la Bible comparé. Moun qui a servi bon Dieu, tan kou aigle, qui prend vol, qui pas fatigué, force yo renouvelé. Zamim, frère Msem, et ça que fait, le slogan de frère Saint-Just, il est important, sans prendre souffle, et pas ça? Sans prendre souffle. Eh bien, qu'on bagaille, on l'autre bagaille nous a dit, n'a pèse pied nous sous gaz là, ou bien gaz la collé. Gaz la collé pour qui ça? C'est parce que nous c'est aigle. Eh bien, si la Bible compare nous avec aigle, moi invité au matin pour qu'on capable avec les caractéristiques de l'aigle. Les caractéristiques de l'aigle. Aigle gagne 8 caractéristiques. Aigle gagne 8 caractéristiques. En nous répétant caractéristiques, 1. Oiseau impur. 2. Oiseau de poids. 3. Oiseau géant. 4. Vol rapide. 5. Vue perçante. 6. Éternelle jeunesse. 7. Bon entraîneur. 8. Vol haut et demeure élevé. Ce sont les principales caractéristiques de l'aigle. Première caractéristique là, c'est qui s'allie? Oiseau impur. En ouest, en Bible. Lévitique 11, verset 13. Voici, parmi les oiseaux, ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Zamim, frère, sœur, frère, sœur, auditeur, auditrice, pour qui ça gagne de belles bagailles que la Bible dit de l'aigle, et pourtant, les comparer nous avec aigle, et en même temps, aigle, son oiseau qui est impur. Son oiseau qui n'est pas bon pour manger. Et pourtant, mais le Seigneur comparé moi-même avec, qui l'a gagné nous dans pied, n'entend la fin ça. Il dit, non pas n'importe qui, nous c'est aigle, alors que aigle impur.
Est-ce que ça veut dire moi-même avec ou nous impurs? Certainement, mes frères, mes sœurs, nous qui sommes dans le péché, nous sommes nés dans le péché, dès le ventre maternel, nous sommes livrés au péché. Mais il y a quelque chose que le Seigneur me dit ce matin. Ce que le Seigneur me dit, bien qu'aigle, bien qu'impur, mais nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, Jean 15, verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En sorte que, à cause de la parole de Dieu que Jésus a annoncé nous, que nous décidons mettre en pratique, que nous décidons comprendre, et remettre vie nous bas Jésus, quitter son Jésus, agir dans la vie nous. La Bible nous dit, les promesses de Dieu nous dit, nous sommes purs. Qui ça lui dit? Vous êtes déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En sorte que si moi et ma mère, nous acceptons parole-là sans réserve, nous pas tordons parole-là pour intérêt personnel, non, nous acceptons toute la parole de Dieu comme la vérité, l'Ancien et le Nouveau Testament, toute la parole de Dieu, et puis nous acceptons Jésus comme la parole qui a été faite chair, eh bien, le Seigneur nous purifie et nous rend pur, béni soit l'Éternel, nous sommes aigles, mais pas aigles impurs à la consommation, mais nous sommes aigles purifiés par le Seigneur. Songez, il y a 8 caractéristiques de l'aigle. 1, oiseau impur. 2, oiseau de poids. Et pour répéter, pour vous arrêter dans tête tout. 3, oiseau géant. 4, vol rapide. 5, vue perçante. 6, éternelle jeunesse. 7, bon entraîneur. 8, vol haut et demeure élevé. En oualé, dans la deuxième caractéristique là, oiseau de poids. Qui ça, oiseau de poids, vous l'avez dit? En oualé dans Isaïe 12, verset 2. Non, beaucoup besoin là qu'on y a. Qui ça qui oiseau de poids? Et mes amis, vous connaissez que aigle, lit, vive, de l'autre, oiseau, qui pipiti passel. Son oiseau de poids. Ça veut dire qui ça? Aigle, son chasseur. Qui ça aigle? Aigle, li son chasseur. Mais dans la cour là, lorsque ou tende aigle à faire, m'baka fait bruit aigle là, nous comprenons, m'baka bay son, et ben laisse ça ouè poule yo, yo tout yo tombe relé, et yo tout yo mette koyo ensemble, et ou même ou obligé à faire bruit là, pour que aigle là capable, parce que aigle son oiseau de poids. Ça veut dire qui ça, Zamim? Frère Msem, si aigle c'est oiseau de poids, aigle pas baille, c'est le roi des oiseaux, aigle pas baille, il n'y a pas qu'à manger aigle, c'est aigle qui a mangé. En sorte que aigle pas pitimi son gador. Isaïe 12, verset 2, qui ça nous lit? Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne crains de rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Pendant aigle, c'est oiseau de poids, la pêche poule. La pêche l'autre oiseau qui pipiti passel pour le manger, eh bien moi-même avec, nous pas piti misson, gador, nous pas capable de bailler, c'est propre pour nous prendre. Ça que fait ça, parce que l'Éternel Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Si aigle, c'est oiseau de poids, c'est dévoré, les dévorer, c'est pêcher la pêcher poule, la pêcher oiseau qui pipiti passe le poule manger. Moi, même avec, nous c'est aigle, dans le sens que nous sommes oiseaux de poids, mais pas pour nous tuer, mais pour nous bailler la vie éternelle, parce que des paroles là que nous tendez, qui changeait nous, qui fait que nous vînes purs, nous sommes tous devenus
pécheurs dorment. Ça veut dire, nous sommes aigles qui poil mettre griffes. Nous sommes qui est-ce? Sur les âmes en péril dans ce monde, sur les âmes perdues, non pour y'a la mort, mais pour que y'a capable gain la vie éternelle. T'es gain un petit monde, petit ton pasteur, la pluie a tombé. Yo ta poil fait yon tourné missionnaire. Petite la guetan mette rad sous lit. Elle dit papa, je suis prêt. Papa le dit prêt à quoi? Parce que mais la pluie a tombé. Fait fred de yoa, bon Freddy. Petit garçon, lui dit papa. Est-ce que moun pa al nan l'enfer jou la pluie a tombé? Est-ce que moun pas aller en enfer? Jour fait fret. Pour dire parce que la pluie a tombé, nous pas sorti à le passer de caille en caille pour nous remettre sur feuillet, pour nous dire au monde Jésus a retourné, pour nous rebailler mon espoir. Les papas attendaient ça, papa a tremblé. Papa lui-même li pas voulait aller. Petite la mandelle, est-ce que pas gen moun qui tombe en enfer dans jour ça? Petite la prend la rue, li dit moi-même, moi voulais aller. Après 2 heures de marche sous la pluie, petit garçon tout mouillé, elle te gagne un dernier feuillet, nan mel. Pas gen moun dans la rue encore. Dernier feuillet, elle gagne nan mel là. Li dit le pape retourner avec elle. Il allait non caille. Et puis il commence à sonner. Li sonner. Pas de monde qui répond. Li sonner encore. Personne ne pas répond. Li changer de tactique pour le bail grain feuillet ça. Li commence à frapper avec toute force. Li n'importe là. Et définitivement, gon moun qui vini ouvri porte là. Debout à la porte, gon vieille dame, au regard triste, cheveux dégaillés, figuille plissée, qui paraît. Et ti garçon dit, madame, je suis désolé si je vous ai dérangé. M'sorry, moi vini déranger. M'te vle juste dire. Que gon moun ki remè ou, moun sa rele Jésus de Nazareth, moun sa remè ou. C'est ça que fèm vin pote bon, dernier feuillet ça, et dernier feuillet ça, abdi ou tout bagay sous Jésus, grand moun li, et plan que le gain pour sauver l'humanité, pour le retourner, pour le suer de l'eau dans yeux tout le monde. Et puis madame nan gade ti garçon, li dit merci petit moi, que bon Dieu béni ou. Et puis il prend feuillet à l'y rentrer. Eh bien, semaine prochaine, gon réunion qu'a fait l'église là, pasteur a bail témoignage. Est-ce que gon moun qui gon témoignage? Est-ce que gon moun qui gon témoignage en deuxième fois? Est-ce que gon moun qui gon témoignage en troisième fois? Et puis gon dame qui campait. Dame nan dit, pas gen moun qui connaît dans l'église ça. C'est première fois moi vin dans l'église ça. Moi-même moi pas une chrétienne. Marie m'a abandonné. Li quitté tout seul dans ce monde. Marie mouri. M'pa konn ça pour me faire. Et l'autre jour la pluie prend tomber. Moi senti fret en pile. M'a crié. Moi désolé parce que la vie me finit avec la mort de mon mari. C'était seul monde moi te gain sous terre. Et me prend décision pour me touiller tête moi. Moi pas de espoir encore. Moi pas de vle vivre encore. Et alors moi prend un code. Moi monté sur une chaise. Moi taché code là à pout kaila. Moi monté sous chaise là et me passé code là dans coum et pendant me sous chaise là cœur m'a brisé
Je ne peux pas attendre encore pour me délivrer de ma douleur, de ma souffrance et de ma tristesse. Et qu'on y a commencé à faire mouvement pour chaise la sortie en bas pied, pour m'avancer quitter chaise là, pour que l'homme mort capable de prendre et que me catouille tête moi. Et c'est pendant moi à le faire dernier soir. Moi tendais sonnerie a sonné. Sonnerie a continué à sonner. Et puis me dit bon me quitter sonnerie ça a cap fatigué tête moi fini. En va me touiller tête moi. Et là il fin sonner. Là me fin tendais sonnerie a moi li campé. Et me décider pour me faire pas et c'est dans moment ça moi commencer à des portes là frapper à craser et m'a demandé mes amis qui monde ça non là ça parce que depuis Marie mouri pas jamais gon monde qui vient frapper dans porte moi pas jamais gon monde qui vient sonner la caille moi pas gon monde qui vient rendre moi visite et c'est alors que moi décider retirer code ça dans koum pour mal l'emporte là. Et lorsque moi ouvri porte là, moi un petit garçon, un beau petit garçon tant qu'un ange. Parole qui sorti dans bouche li. Te baya comme qui te voulait mourir, yon espérance de vie. C'est tant qu'un voix, yon chérubin m'attendait. Et il dit madame, moi vini là pour me dire vraiment que Jésus remè on. Et li bam feuillet ça, mais feuillet nan même. Et moi remonte dans grenier ya. Moi prend code là, moi prend chaise yo, moi met ton côté. Parce que m'pas de besoin yo encore. Et me rend moins compte que je suis maintenant une fille heureuse du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et puisque dans feuillet ya, c'est adresse l'église ou a, moi, c'est adresse l'église ça, nous te wè nan do feuille a. Moi, vin là personnellement, pour me vin dire merci à ti ange mon Dieu ça, qui t'a épanoui la vie, m'jou ça, qui fait nan moins pal tomber dans l'enfer. Songe qui ça ti nèg la te dit, papa, est-ce que pas gen moun ka dans l'enfer, le rappli a tombé, qui fait ti nèg la décide sortir, même sans papa le pasteur. Eh bien, tout le monde commence à battre bravo dans l'église là. Tout le monde commence à serrer, à bailler louange et honneur à Dieu. Et le pasteur papa, il descend de chaise, lit de chéa. Il allait dans ranger devant, côté petit ange l'antechita. Il prend petit lit dans bras, il a crié. Il a crié de façon incontrôlable. Il a brûlé. Et l'a dit petit moi, ou quitte confort caillou, pour aller dans l'air, dans un moment la pluie a tombé, et ou aller vraiment, gon homme qui t'a pris l'enfer jour ça, ou mette le dehors. Tu as cherché une âme pour le Seigneur, ou péché un homme pour le paradis. Frères et sœurs bien-aimés, c'est exactement ça le Seigneur fait. Dieu, notre Père, lui permet à petit garçon pour le vivre dans le monde ça, monde méchant ça, pour le sauver des pécheurs tels que vous et moi. Et en retour, nous devons nous aussi répondre au mandat évangélique pour aller dans un monde froid, dans un monde sombre, pour nous capables de chercher les perdus. Ça veut dire, en tant qu'aigle, ce matin, oiseau de proie, non pour les tuer, mais pour que yon capable éviter l'enfer et pour yon aller dans le paradis. Moi, je voulais rappeler que ou pas qu'à seulement yon membre l'église, ou besoin qui ça, yon disciple. Le Père était un pasteur d'église. Le pasteur était un dirigeant d'église. Il était un membre d'église, mais il n'était pas un disciple. Bon, m'dou yon nan reproche,
Que yo fait à Silayo qui prend la rue tout partout en Haïti. Pour yo dit moun yo, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oh, Adventiste gen plus protocole. Yo pas al souhait dans soleil. En bas gros soleil à désert. Parole d'un responsable à haut niveau. Adventiste, c'est Zizi. Adventiste gen protocole. Ça pas représenter l'église Adventiste. Qu'al souhait dans soleil. En bas gros soleil, désert en plaisance. Désert en wanament, dans limonade. Ça n'a pas reflété l'image classique adventiste du septième jour. Celui-ci est un membre d'église. Bon, dit yon bagay. Tu peux travailler dans l'église, mais tu ne travailles pas pour l'église. Tu peux travailler dans l'église, mais tu ne travailles pas pour l'église. Frère, sœur, songez différence là entre le membre et le disciple. Le membre a de la valeur, m'a demandé Laura pour le capable prendre ça tout, vous voyez ba moun moyo. Le membre a de la valeur, mais le disciple est indispensable. On promet une croix et une couronne d'épines aux disciples, mais au membre, on donne un oreiller. Le membre attend un réveil, le disciple fait partie du réveil. Le but du membre est de gagner le ciel. Le but du disciple est de gagner d'autres disciples pour le Christ. Le membre aime les campagnes d'évangélisation. Le disciple vit en campagne d'évangélisation. Le membre a tant les païens et les poissons, le disciple pêche les poissons. Le membre lutte pour croître, le disciple lutte pour se reproduire. Le membre se gagne, le disciple se fait. Le membre s'accroche au jupe de sa maman, de son pasteur ou de son dirigeant pour atteindre son autorisation. Mais le disciple se lance au travail. Le membre reçoit son accréditation des hommes, mais le disciple reçoit son accréditation de Dieu. Le membre se réjouit des compliments, le disciple du service et du sacrifice. Le membre remet une partie de son revenu. Le disciple remet en plus sa vie. Le membre attend qu'on lui assigne une tâche. Le disciple se soucie d'assumer ses responsabilités. Le membre se laisse aller à la routine. Le disciple est un révolutionnaire. Le membre réclame des visites. Le disciple fait des disciples. Le membre est bon pour additionner. Le disciple pour multiplier. Le membre s'occupe des piquets de sa tente, mais le disciple en élargit l'espace et acquiert des territoires. Le membre rêve de l'église idéale. Le disciple se consacre à rendre l'église réelle. Le but du membre est de gagner le ciel. Le but du disciple est de conduire d'autres âmes au ciel. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'aigle, oui, en tant qu'aigle, nous sommes devenus purs à cause de la parole de Dieu et à cause de cela, nous répondons au mandat évangélique, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frères, sœurs, bien-aimés, en nous, ouais, les deux premières caractéristiques de l'aigle. 1. Oiseau impur. 2. Oiseau de poids. Nous comprendre que moi-même avec le Seigneur et les nous pour nous voler plus haut, pour nous voler plus loin, parce que nous sommes aigles. 3e caractéristique de l'aigle. L'aigle est un oiseau géant. L'aigle est le roi des oiseaux. Aigle là, son oiseau géant. Son gros bout, comme on a dit ça. Est-ce qu'on connaît un aigle qui pi haut par son monde? Est-ce qu'on connaît un aigle qui hauteur jusqu'à 2,50 m? Un aigle qui mesurait 2,50 m? Ézéchiel 17, verset 3, la Bible dit nous ça. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes de déployées, couvert de plumes de toutes couleurs. Gen aigle ou leve zèl yo gade non meo te yo. Frères et sœurs,
Moi vinn di jodi a bien aimé dans le Seigneur, moi même avec le Seigneur nous appelle à être non des géants physiques mais des géants pour le Seigneur. Dans 1 Pierre 2 verset 9 nous lisons: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi vinn d'où jodi a en tant qu'adventiste du septième jour, ou pas n'importe qui, ou c'est race élue, ou c'est sacerdoce royal, ou son nation sainte, ou son peuple acquis, même si moun a humilié, même si moun a sale réputation, même si moun a sale caractère, même si moun pense au cas méprisé, moi vinn di aujourd'hui a, ou pas n'importe qui, ou son peuple acquis, yon moun kap prêché le message des trois anges, ou gen doit gros soleil, ou ap soué en bas soleil là, pour dire yon homme, Jésus a retourné. Ça pas fait au pitié, au contraire, ou grand devant le Seigneur, parce que ou a annoncé les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi-même, moi dis aujourd'hui, ou gué raison, zamim fremsem, pour paguer le brom d'Adissa, yon complexe d'infériorité, pour connaître ou pas n'importe qui. Parce que le Seigneur fait dans la vie ou sous patan kon moun sa yo nan inondation ki gen nan monde là, c'est pour dire béni soit l'Éternel. Oui zanmim, sous penser salaire trop bas, mande moun sa li même k'ap mande dans la rue a ki salaire li gagnen. Sous kwè ko pa gran pile zanmi, mande soldat sa nan guerre là ki zanmi li même li gagnen. Lorsqu'on perd du courage, pensez à nom ça qui gen un seul pied. Et en même temps, la fait petite li monte bicyclette. Oui, pensez à Mounsa, Zamim, kapra le temps de charge de yedol pour que le capable vive. Pensez, si société a pas offri rien, pensez à grand Mounsa, Zamim, fremsem. Si vous pas satisfait parce qu'on pas une voiture neuve, gardez Mounsa yo et vous comprendre que bon Dieu bénit quand même. Frère Maxime, en nous profiter de la vie, n'importe pitié que bon Dieu mettait dans mes noms, en nous utiliser tout notre être pour nous capables prêcher la parole de Dieu, parce que sous vivant toujours, c'est parce que bon Dieu avait, c'est parce que bon Dieu bénit, ou à plein, ou pour qu'on fait volonté bon Dieu, ou à plein, ou pour qu'on obéit à bon Dieu, ou à plein parce que, ou pas qu'à sauter dans la rue, pour aller faire travail, bon Dieu. Moi, aujourd'hui, bon Dieu déjà bon plus que nécessaire. Sorti, al di l'autre, Jésus reviendra. Ou pas besoin l'argent pour dire Jésus tourne, parce que Jésus bon bouche pour parler. Ou pas besoin l'argent pour payer transport pour dire au monde Jésus tourne, parce qu'on gagne deux pieds. Au moins songez cette histoire de ce petit garçon face au grand Voltaire. Tinegla la poêle l'église, a fait le pas bon. Et la palais de bon Dieu, la palais de comment bon Dieu bon. Voltaire dit bon petit garçon, ou toujours palais de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Est-ce qu'au kadim côté bon Dieu rete? Question 1. Voltaire posait Tinek la question ça. Est-ce qu'au kadim côté bon Dieu rete? Tinek la dit, grand Voltaire, moi pral répondre à question ça, côté bon Dieu rete. Mais d'abord, faut dim côté bon Dieu pas arrêter pour m'gadou côté bon Dieu rete. Dim qui côté bon Dieu pas arrêté. Et Voltaire, li rete bouche bée, li pas qu'à dire rien, li pas qu'à répondre qui côté bon Dieu pas arrêté. Parce que Tinek la prêt pour le dire, Voltaire, grand philosophe, eh ben bon Dieu sort où elle a, li remplit toute la terre de sa présence. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il remplit l'univers. Voltaire a dit, non, non. Il dit, bon, ma pose l'autre question. Ma pose l'autre question. Si vous pas dit qui côté au moins bon Dieu était, est-ce que vous pensez ou même tout? Bon Dieu, t'as arrêté beaucoup tôt. Tinom nan di ou kon sa k pase.
Voltaire ou pas comprendre ça. Dit Voltaire, dit mais dis-moi, décris bon Dieu. Est-ce que bon Dieu grand? Est-ce que bon Dieu de haute taille? Est-ce que bon Dieu petit? Est-ce que bon Dieu rouge? Est-ce que bon Dieu noir? Qui grosse bon Dieu? Qui dimension bon Dieu? Qui profonde bon Dieu? Qui lâche bon Dieu? Petit homme n'a dit, Voltaire, Dieu est si grand que les cieux ne peuvent le contenir. Mais il est si petit qu'il habite dans mon cœur, car c'est lui qui fait trembler le désert de Cadès. Frères et sœurs, Voltaire gade tinonan, il dit, bon, gade comment parle avec assurance. Si bon Dieu était grand qu'on salite dans le cœur, ou pataka ap marché, ou ap vin l'église, pied à terre, ou pas même gen soulier pour mettre. Et puis tinon nan gade Voltaire, li ri Voltaire, li dit Voltaire, gen bagay ou pas comprendre. C'est vrai, ou pied à terre là, et ben c'est dans route moyen, m'pral rencontrer yon moun, parce que bon Dieu getan passé, yon moun lord, pour ban mon soulier pour mettre nan pied. Frère Maxemio, zami mouen, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, les hommes n'ont pas humilié, même vindou levé tête ou en haut, ou pas n'importe qui, ou son géant pour l'éternel. Caractéristique de l'aigle, 1, oiseau impur, 2, oiseau de poids, 3, oiseau géant, 4, vol rapide, 4, vol rapide, vol rapide. Deutéronome 28, verset 2, dis-nous. Alors avant me dis-nous ça, bam dis-nous que yon aigle voyage rapide, li ka sorti là le Port-au-Prince dans moins de 15 minutes aigle est arrivé. Parce que aigle li couri en pile, aigle pas dans perdre du temps. Vous voyez l'avion, n'est-ce pas? Eh ben aigle c'est le symbole de l'aigle, aigle pas dans perdre du temps. Aigle prend courir là, c'est gado garder aigle est en gonaïve. Zamim Femme somme de Théodome 28, verset 2. Mais ça lui dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, toutes ces choses seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Verset 5, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Exode 19, verset 4-5, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez entre eux, tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre, c'est à qui est-ce? À l'Éternel. En sorte que frère Maxemio, c'est pas qu'auto rete qui faut moun. C'est pas qu'auto levé qui faut moun. C'est pas dans ville ou à travail qui faut quelque chose. Parce que l'idée ou à béni ni dans ville là, ni dans champ. M'vlou comprendre, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Zamim, femme, sem. Auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, combattant pour la cité céleste, moi voulons comprendre Jodia, ou pas n'importe qui, moi voulons comprendre Jodia, ou son aigle. Et me veux comprendre d'où que l'Éternel c'est sous elle aiglipoté ou même qui bloqué ou même qui besoin délivré. Moi viens d'où que l'Éternel a poté sur des aigles d'aigle. Et lorsque l'Éternel fait de toi la tête et non la queue, lorsque l'Éternel lève en dignité, lui pas lève en dignité pour détruire moun, lui pas lève en dignité pour son malédiction de la vie des familles, mais lorsque bon Dieu lève en dignité, lui lève en dignité pour qu'on capable yon bénédiction pour l'autre. Frère, sœur,
Zomim, l'Éternel ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire, compagnon, c'est bénédiction. Ça veut dire, ami, c'est bénédiction. Ça veut dire, frère ou sœur, c'est bénédiction. L'Éternel dit, la bénir dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ou a béni à ton arrivée, ou a béni à ton départ. L'Éternel a bon victoire sous ennemi ou yo. Ennemi ou yo, tout y a pleuvé ensemble contre vous. Mais les apprend la fuite. Yo chaque sorti, ensemble, yo mettez ensemble, yo crasé. Mais amis, frères, sœurs, lorsque après la fuite devant, mais yo chaque a couru un chemin différent. Parce que l'Éternel, ton Dieu, combattra pour toi. Moi, je viens d'aujourd'hui à secouer corps. Moi, je viens d'aujourd'hui à prendre courage. Moi, je viens d'aujourd'hui à bénédiction, bon Dieu, avec. Et je viens d'aujourd'hui à Zamim, même sous gain, mi qui campait contre vous, qui jaloux de vous, plus yo jaloux de vous, plus yo parle au mal. C'est plus, bon Dieu, à bénir. Sous quoi dans ça, dit bon Dieu, bénir. Réclamez aujourd'hui les bénédictions de l'Éternel. Réclamez maintenant, ou même qui travaille pour lui, ou même qui mettait au corps, âme et esprit dans son travail, ou même qui investit dans le royaume de Dieu. Moi, je viens d'aujourd'hui, l'Éternel a béni, l'Éternel a poteau sous elle aigli, l'Éternel a délivré, l'Éternel a débloqué, l'Éternel a mis au dehors. L'Éternel a mis au dehors. Jean Oye Amindou, c'est pas comme ça ou abrité, parce que au nom de Jésus, demain on pas ka pi mal. Au nom de Jésus, demain on pas ka pi mal, parce que yon moun qui mette dans bon Dieu, yon confiance sans mesure, délivrance li assuré. Moi vin di ou Matéo, alléluia, délivrance ou assuré. Délivrance ou assuré, Zamim. Délivrance ou assuré, frère. Délivrance ou assuré, sœur. Délivrance ou assuré, Zamim. En ouais, caractéristique de l'aigle. 1. Oiseau impur. 2. Oiseau de poids. 3. Oiseau géant. 4. Vol rapide. 5. Vue perçante. M'a fait vite parce que m'promette m'pap kebe nous trop. Faut m'finir vite, jodia. 5. Vue perçante. Est-ce qu'on comprend ça, ça veut dire? Ou qu'on ouè aigle la viran, la ti poule qui pipit en bas. Aigle la ouè, oui, Zamim. Oui, aigle la ouè ti poule là. Ti poule en bas, li ouè. Et ça qu'elle vire, elle veut, ça qu'elle pap, li plonge, li prol. Aigle ouè loin. Ou même qui sont chrétiens, un monde ouè loin. Ou pas de vivre pour aujourd'hui ou de vivre pour demain. Ou pas de vivre pour le présent ou de vivre pour le futur. Parce que le présent, so ouè jodia, mais min dou encore, c'est pas comme ça ou apprêté. Le Seigneur gon plan pour vous. Parce que il dit dans Jérémie 29, verset 11-12, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même si on fait plan contre vous dans le travail là, mais min dou jodia, l'Éternel, c'est lui qui a fait projet pour vous. Les hommes fait projet de malheur, l'Éternel fait projet de bonheur. Les hommes fait projet de maladie, l'Éternel fait projet de santé. Leur travail pour bon Dieu, les hommes fait projet pour yo vin dans l'enterrement. Mais c'est où qu'a pral dans l'enterrement yo? Moi vlo comprendre jodi a que c'est l'Éternel qui a fait projet pour vous. Projet pour yo pas passé, c'est projet l'Éternel qui a passé. Plan pour yo pas passé, c'est plan l'Éternel qui a passé. Objectif pour yo pas passé, c'est objectif l'Éternel qui a passé. Et si c'est roi des rois qui a objectif pour moi, objectif pas là, c'est objectif paix, c'est objectif santé, c'est objectif bonheur, c'est objectif guérison, c'est objectif force, c'est objectif courage, c'est objectif délivrance, c'est objectif vie éternelle, parce que bon Dieu, la bonne avenir, espérance, toute peine ou orgueil, jodia, moi vine d'aujourd'hui, que l'Éternel a transformé en fleur de demain. Sous quoi dans sa dit amen, moi réclamer. Zamim, frère, sœur, en tant que chrétien, moi invité nous pour nous gagner vision de l'avenir. Oui, moi invité nous pour nous gagner vision de l'avenir. Est-ce qu'on connaît cette expérience d'être deux experts? Une compagnie qui fait chaussures, voyez deux experts en Afrique pour y aller étudier terrain.
pour yo wè comment y a fait, est-ce que yo pata doué mette yon magasin de chaussures directement non zone pauvre en Afrique. Yo voye deux experts yon pa konnen si l'autre là et yo même y a l'fanket yo. Et lorsque expert yo vini bay rapport, eh ben premier bay rapport devant le conseil administratif, elle dit, mes amis, m'aller en Afrique, moi fait tout jour m'a fait dans zone côté non vle mettre magasin pour faire chaussures là, industrie, usine pour faire chaussures là, pour faire souliers. Est-ce que nous connaît tout le monde dans zone là? Yo pas mettre chaussettes, yo pas mettre souliers. Est-ce qu'on connaît tout le monde dans zone là, c'est ti sandales? Est-ce que nous connaît tout le monde dans zone là, c'est paille, tache yo pra, yo mari kote banane pour yo capable marcher? Eh ben personne monde dans zone ça pas besoin souliers. Nous pas besoin mettre usine pour faire souliers dans zone là. Zamim, deuxième expert là lui-même, li présenté devant le conseil d'administration pour que li capable bay rapport. Et en entendant des rapports là, moi sorti en Afrique, envoyé par le conseil d'administration dans cette zone pauvre de l'Afrique pour établir cette usine à chaussures. Moi découvri dans zone là que tout le monde a besoin souliers. Qui ça? Tout le monde a besoin souliers. Premier expert là dit personne n'a besoin souliers parce que tout le monde est bien. Mais deuxième expert l'a dit, tout le monde besoin souliers, son bon côté même pour nous faire usine à chaussures. Quelle est la différence entre ces deux hommes? Gayon qui voit tout bagaille négatif, gayon qui bagaille vision. Mais deuxième dans lui-même, il a une vision plus loin. Il a une vision de l'espoir. Il a une vision 2020. Il voit plus loin. Que moun ki bagay soulier yo el comprend, ça veut dire moun sa yo besoin soulier, donc son lieu même pour yo établir business ça. Zanmi vrèm sèm, moi même avec nous tous les deux, nous c'est premier expert là. Nous est tout en mal. Bagay yo du c'est vrai. Persécution yo red c'est vrai. Attaque yo en pile, c'est vrai. Mais nous bagay vision de demain. Nous bagay vision de l'éternité. Nous pas intelligents, j'en lis dans l'Apocalypse, non, Daniel 12, pour nous connaître, mais ça qui a privé dans le monde là actuellement, et ça qui a yo gen poué avec la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Quel expert es-tu? Le premier expert pessimiste qui voit qu'aucun homme en Afrique n'a besoin de chaussures? Ou le second expert qui voit de loin et qui comprend que tout le monde en Afrique besoin chaussures? Zamim, Fremsem, nous besoin qu'on vue perçante même avec aigle pour nous aller loin. Les événements qui se produisent dans notre monde actuellement, c'est Dieu dit nous gon bagaille qui pis loin derrière qu'a vini. Et ou même comme chrétien sous ces aigles, ou doit apprendre ouais loin pour qu'on capable prendre devant pour pas prendre en surprise. Les caractéristiques de l'aigle: 1, oiseau impur; 2, oiseau de proie; 3, oiseau géant; 4, vol rapide; 5, vue perçante; 6, éternelle jeunesse. Notez-vous ça dans le texte, aux amis. Psaume 103, verset 5 dit: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire aigle, c'est pour un oiseau qui vieillit. Son oiseau qui toujours appé, rajeuni. Et ça fait le texte de base, Esaïe 40, verset 30 dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et ça fait nous qu'à marcher à midi, nous qu'à marcher à 1 heure, nous qu'à faire marche à 2 heures, parce que l'Éternel fait de nous des aigles. Il va jamais fatiguer.
fatigué, nous gen douleur dans senti nous marcher quand même, nous gen douleur dans genou nous marcher quand même, et ou même cap tande m la qui gon douleur dans senti, qui gon douleur dans pied, qui gon douleur dans genou, prend béton au nom de l'Éternel des armées. Isaïe 40, verset 29 dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Pas dit ou senti ou faible ou pas prendre béton. Pas dit ou senti ou faible ou pas gain vigueur ou pas prendre béton. Parce que c'est bon Dieu qui a bon force. Ou même qui tombe en défaillance, c'est bon Dieu qui a bon vigueur. Moi, je viens d'aujourd'hui réclamer grâce, bon Dieu. Réclamer force dans mes bon Dieu. Réclamer vigueur dans mes bon Dieu. Réclamer courage dans mes bon Dieu, parce que les doux ap courir et pas seulement marcher n'ap marcher, gon laisse courir n'ap lever courir dans la ria, nous pas gen temps devant nous, gon laisse courir n'ap courir sous bicyclette, gon laisse courir n'ap courir passer dans caïsa la gefeye ça lever courir zanmim, gon laisse c'est là l'envilio, nous pas arrêter pour yo pas gen temps kembe nous, c'est courir n'ap courir de porte en porte, courir la gefeye ça, courir la ge tragédie ça, courir la ge loi dimanche ça. C'est courir, on l'a nous pour aller courir. Et si vous pas qu'à marcher aujourd'hui, comment on va faire courir demain? Si vous pas qu'à marcher dans le soleil aujourd'hui, comment on va faire courir demain? Zamim frère, sœur, moi viens nous matin, nous même dans vision d'espoir, nous c'est aigle, nous gain vu perçante, nous gain en ouais devant, nous gain en prendre devant, n'a courir et ça fait nous là toujours. C'est parce que bon Dieu renouvelle force, renouvelle force nous. Yo crase quand off l'estomac nous c'est vrai. Yo ban nous toute non c'est vrai, yo persécuté nous c'est vrai, yo sale réputation nous c'est vrai, mais comme c'est aigle nouillé, nous secouer comme nous et nous renouveler au nom de Jésus de Nazareth. Y a moun k'ap mandé côté nous joindre force pour nous kembe toujours au nom de Jésus de Nazareth. La force est en Christ. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, bien-aimés dans le Seigneur, on rapporte l'expérience, bon, me dit son allégorie. M'obligé dit son allégorie, m'a dit yon histoire, bon dit plutôt yon illustration, yon dit l'aigle est l'oiseau qui possède la plus grande longévité, aigle a capable vivre jusqu'à 70 ans, mais pour arriver depuis dans 40 ans, aigle a dû prendre une décision importante, à 40 ans, griffe, aigle a vint couper. Yo flexible, li pa capable encore kembe l'autre oiseau yo pou capable manger, grand gwa touyel, bec li tellement allongé que bec li vin courbé, zèl li tellement pile que zèl li vin trop lourd parce que et plume yo a vieilli yo trop. Ça veut dire qui ça, aigle li pa capable voler. Alors aigle li fait face à yon alternative, ce soir li mouri ou bien il prend une décision et seule décision yo dou aigle la capable prendre, et ben son processus qui grand pile douleur cap duré 150 jours. Processus ça qui ça aigle la doit faire, aigle la doit voler au haut d'une montagne, là le prend refuge li dans une niche, et puis il connaît bon pas besoin voler encore, et elle rivé là avec bec li, il frappe bec li jusqu'à ce que bec qui coube arraché. Il frappe bec li dans roche là et puis bec là arraché, et une fois bec là arraché, bec là attend que un nouveau bec pousse, et avec nouveau bec qui tourne ça, ça le fait, il arraché griffe yo. Oui, il prend toute vieille griffe qui coube yo et puis il arraché yo, et il tend griffe yo repousser. Et lorsque griffe yo repoussé, eh ben avec griffe yo li commencé racher vieux plume yo. Et si ainsi pendant 5 mois, 150 jours, laisse aigle a tourné en jeune di fille, en jeune di garçon. Li lancé l'encore voler, il commencé à prendre poids, il capable vivre 30 ans en plus à cause de ce processus de renouvellement. Mes frères, mes sœurs, gen moment dans la vie où lorsque yo rive faut refaire bekou, gen bagay ou te ka di ou pa ka di encore, faut changer griffou, gen oiseau ou te konn nan kembe ou pa ka kembe encore, faut refaire zèl ou
gen koto te kon vole ale ou pa ka vole ale encore kon y a c'est sous béton pour rester. Les caractéristiques de l'aigle: un, oiseau impur; deux, oiseau de proie; trois, oiseau géant; quatre, vol rapide; cinq, vue perçante; six, éternelle jeunesse; sept, bon entraîneur. Bon entraîneur aigle lui même c'est lui qui entraîne ti aigle. Aigle pa ni rete kon sa le voler, c'est lui même qui entraînait Aigla. Deutéronome 32, verset 10 à 12, il dit: il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Dieu les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Gardez même la Bible dit que aigle son bon entraîneur qui ça le fait. Eh ben les voltiges sous petit yo, les gailler niche là, les déployer zeli et puis le pousser ti petite là en bas qui saute en l'air en bas et pendant ti petite là pour le tomber pour le craser. Eh ben qui s'est passé? Eh ben aigle a ouvri zeli, li passé en bas et puis ti petite là tombé sous doule. Après ça li repenche encore, ti petite là tombé et pendant la tombé la bataille grand maman aigle couri passe encore en bas et puis li ouvri zeli, ti aigle a tombé sous doule et puis ti lèg a réjoui mes amis, mais maman vient sauver. Maman penché encore à gauche, ti aigle a tombé et puis ti aigle la bataille et puis maman passé en bas encore, li tombé sous dos maman viré secoué col encore, li pap li viré, ti aigle a tombé et cette fois-ci ti aigle la bataille et le ti aigle ouel pour elle tomber en terre, li batzel li pi fort et nan batzel li pi fort, c'est gade ti aigle ouel voler à droite, li voler à gauche, li vole en haut, qu'on y a la suivre maman, li vole pour contre lui, parce que maman t'entraîne. Moi, je viens aujourd'hui, en tant que petit aigle, l'Éternel, c'est lui qui te retire dans le deuxième monde là. L'Éternel te retire de la solitude la plus effroyable. L'on t'a plaint, l'on t'a lamenté, l'on t'a crié. L'Éternel entouré, l'Éternel prend soin, l'Éternel change mal ou en bien, l'Éternel change misère en prospérité. L'Éternel garde comme la prunelle de son œil. Même j'avec yon aigle, tout ça que t'as pris, toute misère, toute souffrance, toute palais mal, toute humiliation, toute maladie, s'entraînement, le Seigneur t'a fait avec persécution, jodia, c'est stage, le Seigneur a fait pour que quand le monde entier campait contre les serviteurs de Dieu, parce qu'on t'a fait stage déjà, ou a campé pour dire l'Éternel, seul est Dieu, pour dire pas servir l'autre Dieu ni l'autre bagaille, que l'Éternel les armées, parce que l'Éternel entraînait, l'Éternel déployait celle-là sous déjà, l'Éternel potait déjà sous plume-là, c'est l'Éternel seul qui a conduit, oui, c'est l'Éternel qui a pavé, parce que l'entraîner ou déjà. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, l'Éternel nous promet dans Exode 19, verset 4-5, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Genamoun, lorsque bon Dieu le veille, lorsque bon Dieu retire dans la misère, genamoun, maman, yo, c'était mambo, papa, yo, c'était boko. C'est badi quand yo teye dans Perestil, yo vin parmi moun sauvé, c'est gado et moun n'a prend promotion, et gado et moun n'a occupé position, au lieu ba bon Dieu gloire, au lieu remercier bon Dieu, au lieu songer que c'est bon Dieu qui retire au côté au teye a mette au sous moun, yo utilisé position ça, yo pi grand passé tout moun, yo pi important passé tout moun, yo gen valeur passé tout moun, au lieu béni l'autre moun, c'est crasé ap crasé moun, c'est détruit moun, c'est persécuté à persécuter moun. M'vindou jodia, si bon Dieu met en position tant qu'Esther, c'est pour sauver peuplia, c'est pour délivrer peuplia, c'est pour bénir peuplia. Parfait tant qu'au pharaon, au Moïse al devant pharaon, lui dit pharaon, laisse mon peuple s'en aller, laisse mon peuple partir. Pharaon refusé, dit non, c'est en Égypte
pour yo faire sacrifice. Il dit non, c'est dans le désert le bras faire sacrifice pour bon Dieu. Les dieux d'Égypte pas qu'à recevoir sacrifice qui destiné à l'Éternel. Et il refuse. Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Pharaon refuse de laisser sortir le peuple. Pharaon met en confinement, yon lockdown. Pharaon écrit une lettre pour dire peuple à pas sorti. C'est là la brété. L'Éternel obligé la guerre fléau. L'Éternel obligé la guerre plaie. Et les pharaons, ouais, c'est tout bon. Les pharaons obligé quitter peuple à partir parce que c'est dans le désert. Peuple fait sacrifice pour bon Dieu. Puis gros sacrifice que bon Dieu relève nous pour nous faire. C'est pas dans le monde là. C'est pas dans le vilio. C'est dans le désert pour nous faire sacrifice là. Et je dis, c'est pour camper même avec Moïse devant Pharaon. Laisse mon peuple s'en aller. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple aller faire le sacrifice à Dieu dans le désert. Car il est seul l'Éternel. Lui seul a conduit son peuple. Les caractéristiques de l'aigle. 1. Oiseau impur. 2. Oiseau de proie. 3. Oiseau géant. 4. Vol rapide. 5. Vue perçante. 6. Éternelle jeunesse. 7. Bon entraîneur. 8. Vol haut et demeure élevé. Zamim, ou j'en moué aigle, abdomi sous pied calbas. Dim est-ce que j'en moué aigle, abdomi sous pied cacao. Dim sous j'en moué aigle, abdomi à terre. Job 39, verset 30 et 31 dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Qui côté aigreté? Sur le sommet des monts. Deutéronome 32, verset 13, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé des fruits des champs et il lui a fait succès le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher, le plus dur, même j'ai avec aigle, le bon Dieu qui est pour nous, c'est pour nous rester côté lait avec miel à couler, c'est pour nous rester qui côté, pour nous manger qui ça, les fruits des champs. Qui salve nous en succès, le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher. C'est le plan de l'Éternel pour nous, nous pas qu'arrêter dans Platon, nous pas qu'arrêter dans ville, nous pas qu'arrêter dans plaine, nous pas qu'arrêter dans vallée. C'est pour nous rester qui côté au sommet des rochers. Parce que nous pas qu'arrêter à terre sans l'air pour nous rester. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, on raconte une histoire à propos, une illustration. Il y a un monde qui t'a enragé, qui t'a l'embonne, et puis pendant l'embonne, il y a deux gros œufs. Oui, il y a deux gros œufs. Il dit, œufs, ça y a pas l'autre œufs. C'est œufs aigle. Et puis il décide de prendre un œuf pour venir essayer. Et puis il y a maman poule qui t'a couvé. Et puis il prend œufs aigle, il mettait en bas maman poule là. Et pendant que il prend œufs aigle, il mettait en bas maman poule là. Après quelques temps, maman poule la calé, tout petit poule yo fait, et gros œufs a fait tout, l'el gade, et ben lui est mes gros c'est, l'autre petit poule ça, et mes petit poule ça kap mache, mes gros petit poule là, yon gros petit poule, kap mache, de yon petit maman poule, petit poule là, li pi gros pas se maman, et l'ap grandi, li rete là, l'ap gaye paye. Li rete là, l'ap couche en bas votre maman, il trop pour votre maman. Et puis un jour, il y a un monde qui a passé, et puis il dit, faut me parler avec gros tipoulza. Il a dressé la gros tipoulza, il dit, soit fait là, li bade le comment, et puis ap gaye paye, oui. Pour qu'il soit marché derrière pour ça, c'est maman. Comment le fait maman l'ombo pi gros passé moi ça mais c'est maman nié koto manger et ben gaï m gaï pa pou manger et ben m'a bon secret jodi a ou konn soye ou so mal fini pa jam reta pou sou te konn soye ou t'ap manger ni maman ni toute petite li ki la parce que ou pa poule son égouillé qui ça ou pa poule son égouillé. Ou pas qu'à arrêter à marcher derrière maman poule. Ou pas qu'à gagner pareil pour manger. Ou son oiseau de poids. Poule ça, c'est yon qui mange. Si ce pas de retard,
Si vous avez dormi sous pied cacao, c'est pour voler pour dormir sur les rochers. Mais il va entraîner. Maman pour la pas entraîner. Il va pas voler. Il loup, il est trop gros, il va faire entraînement, il va pas voler. Je viens toujours dire à vous-même qui pas voler et qu'on pas contre qui est souillé. Moi viens toujours pas n'importe qui ou son aigle au nom de Jésus de Nazareth, ou son petit aigle au nom de Jésus de Nazareth, ou pas qu'à poter bol blé ou pas moun, ou pas qu'à mettre à genoux devant moun, ou pas qu'à humilier devant le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui met tout, ou pas n'importe qui, ou son petit aigle, et ça fait bon doux, gon bagay qui rive, lorsque ouen, maman, aigle a crasé Nichelan, pour entraîner, petit aigle là, son entraînement, il a fait, genan niche, bon Dieu crasé, niche travail là, l'écrasé niche Zamian, l'écrasé niche luxe là, l'écrasé niche États-Unis, l'écrasé niche job là, l'écrasé niche mounou compte sous lui pour qu'il ait autorisation pour travailler pour lui, l'écrasé niche là! Combien moun ki gen niche yo krasé là, yo gade tout plan yo, tout projet yo viré tête en bas, lorsque l'Éternel krasé niche là, son classe l'a fait avec pour qu'il permette ou voler. Moi vinn dou matin yo, ou pati poule ou son aigle. En tant qu'aigle, c'est pour voler dans la rue, voler sous béton et pas doit voler sous béton tout grand goût, ou a voler sous béton avec tout soleil là désert, ou a voler sous béton au nom de Jésus de Nazareth. Eh bien, vindou yon bagay, c'est garder ou ap garder le Seigneur ap vini. Toute profession ap fin accompli. Et ou ap apprendre vol ou pour aller dans le ciel. Parce que destination pas la terre, destination c'est le ciel. Frèm sem zami m'pren courage. Frèm sem zami m'consolez-vous par ces paroles. Frèm sem zami m'gen plus détermination à partir de ces conseils. Qui tes yeux fixés en haut, ou kapage l'argent, ou kapage manger, ou kapage zami, ou kapage fanatique, ou kapage supporter, ou kapage approbation les hommes. Mais sous son petit aigle, ou gen approbation mon Dieu, ou déjà fait pour voler, ou déjà fait pour éclair, ou déjà faite pour géant, ou déjà faite pour gain vue personne, ou déjà faite pour pas n'importe qui, ou déjà faite pour éternelle jeunesse, ou déjà faite pour gain force, ou déjà faite pour en haut, ou déjà faite pour demeurer en haut, voler en haut, parce que pas n'importe qui, ou c'est aigle, et votre attitude d'aigle à bord de l'altitude, c'est votre attitude qui vous donnera de l'altitude. Votre attitude vous donnera de l'altitude. Adventiste du septième jour, prédicateur du message des trois anges, missionnaire et volontaire, supporteur de la mission de vision d'espoir. Mavindou matin, ou pas n'importe qui, leur investi dans le travail, mon Dieu, ou pas n'importe qui, ou c'est aigle en tant qu'aigle, suspend gaye payate, c'est voler pour voler. Volez, vous volez, volez haut, volez plus haut, plus loin, jusqu'à ce que vous attendez l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne l'éternité, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit.